le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Et tout de suite, en avant la musique avec un événement qui va se dérouler ce week-end, c'est Chansons sur scène. Un espace où les artistes, qu'ils soient amateurs, semi-professionnels ou professionnels, peuvent explorer toutes les facettes de la création musicale. Pour l'occasion, on pourra applaudir de nombreux artistes talents suisses qui se produiront à Sierre et à Vevey ce week-end. Pour cela, nous sommes avec la responsable de Chansons sur scène, c'est Célina Ramsauer qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Célina, tout d'abord, c'est quoi le concept concrètement de Chansons sur scène ? Le concept de Chansons sur scène, c'est le fait de réunir un certain nombre d'auteurs, compositeurs, interprètes, amateurs, semi-professionnels ou professionnels. Ils se réunissent, et là c'est un petit peu particulier sur cette cinquième édition, puisqu'ils se réunissent sur une semaine. Et l'idée, c'est que, qu'ils composent ensemble leurs chansons et qu'ils se retrouvent sur scène à la fin de la semaine. C'est quoi l'objectif principal de Chansons sur scène ? C'est vraiment de mettre en lumière de jeunes talents ? L'objectif principal, c'est d'abord le travail. C'est d'abord de se retrouver ensemble. Moi, je dis toujours, il y a les concerts à la fin. L'objectif principal, c'est vraiment de se rendre compte qu'ensemble, on est plus fort. Côté humain, et quoi. C'est effectivement le côté humain et le côté apprentissage. Parce que quoi qu'il en soit, même si on a des années d'expérience en tant qu'auteur, compositeur, interprète, il y a toujours un moment où on se retrouve un petit peu seul devant sa création. Ou alors, on se rend compte qu'on plafonne. Ou alors on n'a jamais écrit de chanson ou très peu et on a besoin d'apprendre de toute façon au contact des autres. Pour bien comprendre comment ça se déroule, c'est pas un concours de musique avec un vainqueur à la fin. Non du tout. On est vraiment dans un processus de travail et de développer de carrière pour ceux qui le souhaitent. Nous, on se rend compte qu'après 5 éditions, on se rend compte que tout, et ça c'est vraiment notre fierté, c'est que tous les artistes qui sont passés par Chansons sur scène ont aujourd'hui toutes et tous des projets, soit des albums, des sorties d'albums, des sorties de titres, soit effectivement des spectacles qui sont en route. Alors là, pendant toute cette semaine, les artistes travaillent ensemble avant de passer sur scène. Comment ça se déroule, cette semaine de travail ? C'est une semaine de travail intensive pour les artistes ? C'est une semaine effectivement très très intensive. En fait, ils sont totalement immergés dans ce processus de travail. On démarre par la notion du texte. L'idée, en fait, c'est que d'abord, il y a effectivement une sélection, parce qu'il faut forcément un prérequis, soit au niveau du texte, soit au niveau de la composition, soit au niveau de l'interprétation. Donc, il y a un casting au préalable. Il y a quand même un casting au préalable, mais on est vraiment dans une démarche. Les personnes qui ne sont pas retenues, c'est parce qu'à ce moment-là, on estime qu'il n'y a pas le prérequis nécessaire. On n'est vraiment pas sur des notions de... Moi, j'ai pour habitude de dire autant de chansons, autant de façons de faire, autant d'individus, autant de façon de, effectivement, d'avancer dans ce processus de la chanson. Mais sur ce concept-là, Chansons sur scène, on est vraiment, comme ça va très très vite, on est vraiment obligé d'avoir des artistes qui ont effectivement déjà un prérequis dans un des domaines. Donc ils arrivent le premier jour, ils démarrent par le texte. Donc, ils sont coachés ils sont entourés par des coachs professionnels dans chacun des domaines. Le premier jour, ils démarrent sur la partie du texte, avec une partie théorique aussi. Qu'est-ce que la chanson ? D'où vient la chanson ? C'est assez intéressant, hein, même pour les professionnels. Moi-même, à chaque fois que je suis le cours, je trouve ça hyper intéressant. Puis après, le principe, c'est vraiment ça. C'est... Qui soit entouré par des professionnels de chaque domaine. Quels sont les artistes et combien d'artistes sont sélectionnés pour cette année ? Alors ça dépend des années, on ne va pas au-delà de 15 artistes, parce que sinon ça ne nous permet pas d'aller au fond du travail. Là cette année, ils sont sur 8 sélectionnés qui sont d'horizons différents et d'âges différents. Hein. Ça va de 16 à 75 ans. Donc il y a tous les styles de musique. Il y a tous les styles de musique, partant du principe qu'une chanson, c'est un texte, une musique et une interprétation. Ouais.
Quel message vous souhaitez faire transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui hésiteraient encore à se déplacer ce week-end jusqu'à Tous en scène ? Chanson sur scène. Je me doutais que j'allais faire la bêtise. C'est pas bien grave. Mais le message, c'est venez vraiment découvrir ce travail qui a été fait sur une semaine. Je peux vous assurer, alors mes collègues disent que je répète ça sur chaque édition, mais je peux vous assurer que je suis vraiment soufflée par les 12. Là, ils ont écrit 12 titres. Et c'est d'une qualité vraiment, vraiment exceptionnelle. C'est des personnalités exceptionnelles aussi, avec chacune et chacun sa particularité. Et les titres sont vraiment, vraiment, vraiment bien, bien amenés, quoi. Donc un moment de partage et de cohésion sur scène, une expérience à vivre ce week-end, et notamment ce sera à Sierre, donc ce samedi 20 juillet, et puis à La Fabrique de Vevey ce dimanche 21 juillet, donc pour de belles prestations. Nos talents suisses seront donc sur scène. Est-ce qu'il y a un site internet pour plus d'infos? Oui, il y a un site internet qui est chanson-sur-scène.ch. Parfait, merci beaucoup Célina Ramzaouer, responsable de Chansons sur scène, d'être venue ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle édition, et puis on espère vous retrouver très bientôt sur M. Merci beaucoup, merci à vous. M Media.